Et salut à tous et bienvenue, je suis Linklagis pour vous servir et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre petite intégrale Final Fantasy, on continue Final Fantasy 6 et on va reprendre ça tranquillement là où on s'était arrêté. C'est-à-dire juste devant l'arrivée de la ville de je sais plus comment ça s'appelle. Bref, la ville devant laquelle on s'est arrêté. Oui, j'ai pas touché le jeu depuis la dernière fois, parce que pas eu besoin forcément de farmer jusque là, donc on va dire que ça passe. Et pour le coup, eh bien, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Alors le petit rappel, c'est que on s'est arrêté, si je dis pas de bêtises, au chapitre 9, si je dis pas de conneries. Il me semble. Ouais, il me semble que c'était ça. Alors, attendez, tac. Tac. Voilà. Tac, tac, tac. Les petites... des modifications de dernière minute. Voilà. Donc, la suite de FF6. C'était quoi ici? Comment ça s'appelait déjà? Collingen, oui, c'est ça, on était venu avec le château de Edgar, oui, le château qui se balade, hein, faut pas chercher à comprendre. C'est tout est normal, attention. Du coup... Et salut Hello, bah ça va bien, et toi? Et salut Shira. Comment allez-vous, les arrivants? C'est ouf. Bref, Shadow. Nous nous rencontrons une fois de plus. Je vous aiderai si vous me donnez de quoi nourrir mon chien. 3000 guilds, c'est à prendre ou à laisser. Oui! Ouais, c'est cher, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est Shadow, on s'en fout! J'ai combien de thunes? Il me reste 2000. Ouais, ça va bien se passer. Et donc voilà pourquoi, lors du dernier live, si vous vous souvenez, on avait fait deux équipes. Enfin, on avait fait deux équipes. Et j'avais volontairement pris que 3 membres de groupe. Enfin, dans le groupe. Et bah, c'est tout simplement parce que bah, je savais qu'il y avait Shadow qui était pas loin. Et que je voulais avoir une place pour pouvoir le recruter. Comme pour la précédente, le précédent recrutement, on va appeler ça comme ça, il peut partir à n'importe quel moment, donc si j'ai pas de chance, j'ai payé 3000 pour qu'il soit là pour, pendant un combat, hein, ça peut arriver. Mais par contre, on va dormir. Oui, je sais, ça sert à rien, mais vous allez comprendre pourquoi. Avec un peu de chance, on a ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Bah pour l'instant, on ne sait pas. Moi, je sais, mais bon. J'en parlerai juste un petit peu plus après. Clyde, comment as-tu pu? J'étais ton partenaire, ton ami. Tu devrais être ici, avec moi. Viens me rejoindre, Clyde. Voilà, on n'en aura pas plus pour l'instant. Bon, ça va être mini-spoiler, c'est... Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Ce sont tout simplement des flashbacks qu'on va pouvoir avoir, des rêves qu'on va pouvoir avoir si on a Shadow dans le groupe, pour, eh bien, plus ou moins comprendre et savoir qui est réellement Shadow. Donc, à chaque fois qu'il va être dans le groupe, si on s'arrête pour dormir dans une auberge ou quoi que ce soit, il se peut qu'on ait accès à un de ses souvenirs. Je sais
plus combien il y en a en tout. Je crois qu'il y en a 5 ou 6, je crois. Je sais plus. Je crois qu'il y en a 5. Je sais plus. Enfin bref, ça remonte à trop longtemps. J'avoue, je me souviens plus. Mais ça nous permettra d'en savoir plus sur Shadow. Et salut Blue! Ferreux, et comment ça va? Du coup voilà, pour Shadow, ça c'est fait. Et pourquoi je mets Locke en premier? Eh bien c'est que tout simplement, on va avoir une petite scène à avoir avec lui. Bah écoute, ça va, tranquillement. Tranquillement, et voilà. Scène de Locke. Je n'ai pas su la protéger. Locke, que cherchons-nous aujourd'hui? C'est bientôt ton... On raconte qu'il y a un trésor fabuleux caché quelque part dans cette montagne. Trouvons-le! Locke, attention! Rachel! Ah, c'est carrément, ça saute dans le trou, très bien. Rachel, comment te sens-tu? Je me souviens de rien. Ah, sors d'ici, à cause de toi, Rachel a perdu la mémoire. Attendez, laissez-moi lui parler. S'il te plaît, ne viens plus me rendre visite. Je ne sais pas qui tu es, mais mes parents se mettent en colère quand tu es là. Ça va faire plaisir, ça. Il vaudrait mieux que tu la laisses tranquille, Locke. Elle doit repartir à zéro. Si tu restes ici, elle ne pourra jamais le faire. Oublie-la. Grosse ambiance aujourd'hui, ça commence bien. Un an plus tard, quand je suis enfin revenu, j'ai appris que Rachel avait péri lors d'un raid de l'Empire. Elle a retrouvé la mémoire juste avant de mourir. À la fin, elle a crié mon nom. Je n'aurais jamais dû la quitter. J'aurais dû être là pour la protéger. Ah, c'est grosse, grosse ambiance ici. C'est... Waouh! La Rosebok en est bien dure, hein? Ok. Très bien. T'as vite fait juste... Une petite élixir dans l'horloge, hein, parce que, évidemment... Oui, il y a beaucoup, beaucoup d'objets planqués dans les horloges dans ce jeu. Voilà. Je sais pas, il y a un mec fétichiste des horloges qui mettez-en partout. Et ouais, bah alors, mettez des objets dedans. Faut pas chercher. Donc. Normalement. Rachel a retrouvé la mémoire juste avant de mourir. Elle a dit, si un homme du nom de Locke revient un jour, dites-lui que je l'aime. Isbem! Ça c'est fait. Merci d'être venu, à la prochaine. Par contre, comment je fais le tour? Je veux faire le tour de la pièce, de la maison. Quoique non, je crois que c'est pas cette maison. Pas celle-là? Je sais qu'il y a une maison où il y a du stuff. Voilà. Ça y est, on a fait le tour du village, on n'a pas besoin de faire autre chose. Oui, ce village sert que pour du flashback et un coffre, en tout cas, pour son utilité actuelle. Du coup,
Et ben on va espérer ne pas avoir claqué 3000 guilds comme ça dans le vent, hein, puisqu'on va espérer que Shadow ne parte pas au premier combat qui passe. Ce serait bien. Du coup, j'ai aucune idée de où que je vais. Bon bah le seul truc qui a l'air accessible c'est au nord. La toutou! Ah oui, c'est vrai qu'on avait acheté plein de trucs. Alors ça, c'était sur une cible, la foreuse. On va tester. Ah, ce skin! Ah, il est génial! Je crois que t'as une scène dans la maison que tu viens de piller, bon. Ah, le poison de ses morts! Bon, on va aller voir. On va aller voir. De toute façon, c'est juste à côté, donc au pire des cas, c'est pas un souci. Bien vu. Oh là, que ça doit faire des lustres. Ouais, des lustres. Tu n'as pas à t'inquiéter, pas du tout. Je prends grand soin de ton trésor, grand soin. Alors ça va? T'as l'air assez admiré. Tu l'as assez admiré, pardon. Dans what? Heureusement, j'ai terminé ma potion miracle éclatant, hein. Elle ne vieillira plus jamais. J'ai tout simplement pas pu refuser quand tu m'as supplié de la sauver avec mon herbe. Avec mes herbes. Supplié! Rachel. T'es sûr que ça va marcher? Bien sûr, c'est garanti. Ta bien-aimée sera conservée ainsi pour l'éternité. Ouais. Merci Let's Play de Farage pour cette info. Bah merci à lui. Et merci à toi de me l'avoir rappelé. Parce que j'avoue, je me souvenais pas du tout de ça. S'il y avait un moyen de rappeler son âme. Rappeler son âme? Oh, avec ce trésor légendaire, tu veux dire. Et tu pourrais sûrement alors la ressusciter. J'aurais dû la protéger. Mais juste... Ça va faire des luses, blablabla, je prends aussi un temps de trésor, blablabla... Ah, ça fait très bizarre, hein, je... Excusez-moi, mais le vieux... dit oui, je prends grand soin de ton trésor. Donc soit c'est moi... les ai mal placés, soit ce mec est extrêmement chelou. Retourne sur ma game avec live en plein écran. Bah, et bah bon, bonne game à toi, t'es sur quoi du coup hein? Ah, vas-y, bouge de là, toi. Je peux pas sortir du village tant qu'il est sur le pont. Tu te fous de moi? Bon, on va sortir par l'autre côté. Ce mec se fout de moi! Trail of Zero, un jeu PSP avec un patch anglais, d'accord. Ces gens qui veulent pas que je sorte du village, vous êtes relous! Donc là, du coup, on peut y aller cette fois-ci. D'ailleurs, j'ai pas vérifié, mais. Mais Shadow est toujours là. Je viens de m'apercevoir des non-dégâts de Shadow. Est-ce que il serait genre pas équipé du tout? Mais... voilà. Mieux.
beaucoup mieux. Dernière chose, t'as pas appris un nouveau skill de Sabé? Non, pas pour l'instant. Je crois pas. Il me semble pas. Ah, collier. On va regarder, mais il ne me semble pas. Non, pour l'instant j'ai rien d'autre. Nous ne devons pas laisser le monde devenir trop paisible. L'adversité nous permet de réaliser notre potentiel. Mon Colisée sera l'endroit parfait pour glorifier l'esthétique du combat. Du moins, si j'arrive à le terminer. Personne ne veut m'aider. Bizarre, faudrait que j'avais un skill en plus avant Narch. Ah bah, j'ai peut-être pas dû aller à un endroit, mais bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Bon, bah du coup, y a rien ici. Après, je peux regarder, hein, où est-ce que Sabine peut apprendre des compétences, hein, je peux regarder. Dans quoi je peux voir ça? Équipement, magie, objet, commande spéciale. Edgar, Sabine, jugez dessus. Il est censé apprendre un truc au niveau 15. Et il est niveau 13. Mais apparemment, de ce que je vois, c'est par rapport au niveau. Voici quelles sont les techniques ainsi que les niveaux que vous devez atteindre pour apprendre, pour les apprendre. Ouais, donc voilà. Donc il était plus haut niveau que moi, Farage, tout simplement. Il devait avoir la danse du phénix. Était niveau 20 de souvenir. Ah oui, bah oui, du coup là non, moi je suis level 13. Donc après le truc c'est que il me semble me souvenir parce que j'ai pas regardé son let's play, mais je sais que je suis tombé sur un épisode ou deux, notamment l'épisode dans les rapides sur le radeau, et il me semble me souvenir qu'il était resté farmé là-bas quelque temps. Dans les rapides. Sans doute, mais ça date de 2016, le let's play. Ouais, je sais que ça date d'un petit bail, hein, j'avoue. C'est pour ça que j'avoue, j'en ai aucun souvenir, et comme je dis, je l'ai pas regardé, parce que moi, c'est un jeu que j'avais déjà fait, et que voilà. Même si, là, j'avoue que enfin, la version à laquelle j'ai joué de FF6, c'est la version originale, enfin, la première version de FF6. Du coup, voilà. Il y a quand même quelques trucs qui ont été modifiés avec cette version Steam. Mais et je l'ai fait qu'une seule fois. Il fait partie des Final Fantasy que je n'ai fait qu'une seule fois. Et salut Démoniax, bah ça va bien et toi, comment vas-tu? Ah bah tiens, un autre souvenir de Shadow. Ouais, on a réussi, Clyde. 1 million de gills, quel butin fantastique. Ouais, peut-être qu'on trouve un nom approprié. Un nom? Mais oui! Toutes les bandes de voleurs célèbres doivent avoir un nom. Ah, j'en ai trouvé un. Alors, qu'est-ce que c'est? Le duo Shadow. Qu'en penses-tu? Pas mal, non? Le duo Shadow, responsable du pire acte de banditisme ferroviaire du siècle.
dans une fameuse forêt avec un train, tout ça, CF le live précédent. Pas de ça, mais on fait aller, bah écoute. Profite du live pour te changer les idées. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Bon, bah du coup, plein sud, au final, il n'y avait rien en or. Allez voir. Je vais mettre la foreuse. Ah oui, c'est vrai que du coup il a la lupin, du coup il va voler de temps en temps. Il va faire un vol à en plus de son attaque. Ce qui en soi peut être très intéressant. Puis en soi, j'avoue que niveau XP, voilà, il me faut. Ouais, 1200 à peu près pour level up. J'ai pas vu combien d'XP m'a filé le meuble là. Ah bah je suis con, c'est marqué en plein milieu pour le level. Donc je sais pas. Je sais pas. Ah des moines! Doc Demitril, c'est bien. C'est bien ça. Elle est sympa ou... Elle a pas l'air ouf. Ah oui. Je passe de 109 en attaque à 44. Ouais. J'y pensais justement. Bon bah du coup ça va pas être le premier point, mais le deuxième du coup j'imagine. Ah, la manette qui a fait une petite déco, tout va bien. La manette qui est en train de déconner, tout va bien. Et GG Démoniax pour ton level 21. Le GG. Jidor. Oh. Ouais, mais j'ai pas tant de thunes que ça. J'ai que dalle en thunes, c'est chiant. J'ai pas entendu le tuer de ça. Il y a un coffre et une porte! Oh! Parce qu'à tout hasard, ça veut dire. Non? Ouais, oui! Bon, à tout hasard, ça veut pas dire porte planquée. Apparemment.
Non. MP, y a deux coffres en plus dans la truc. C'est chiant. Du coup, est-ce que y a des trucs à faire dans cette zone? Non, pour l'instant, il n'y a rien. On va juste du coup faire le tour, voir s'il n'y a pas des items. C'est grand, n'empêche. Manoir Hauser. Fait penser à un truc. Et merci Luxray pour ton resub, 29e mois. Merci beaucoup. Tu as dit, on apprécie le bug du sub à retardement. Ah bon bah. Bah merci quand même à toi. Merci beaucoup pour ta générosité. N'êtes pas d'ici, c'est évident, vous pourriez au moins vous tenir droit. Ouais, ça va. Hein. Mais merci beaucoup à toi. Ah, le mec, il a un tableau d'un coffre ouvert. C'est... Ah, tiens. Ça ressemble à quelqu'un. Non, pas à quelqu'un. Ah, tiens. Un portrait d'une jolie jeune femme. Ouais. On en reparlera plus tard de ça. Une salle avec plein de portraits, ça peut faire penser à quelque chose dans FF14, mais on verra plus tard. Bon, bah écoutez, pas grand chose de plus, j'ai l'impression. C'est la maison hein, de vente aux enchères de Jidor, on n'y trouve que les aristos pleins aux as. C'est vrai qu'ouais, il y aura des trucs à y faire à la salle aux enchères, mais bon, faudra avoir de la thune. Donc pour l'instant... Ah c'est, tant pis. Pour l'instant, ça attendra un peu. J'irais bien faire un tour en chocobo, mais je me dis... On va plutôt y aller à pied, histoire de faire quelques combats. Après, on a, en faisant des combats, on a le risque de perdre Shadow. Ah, j'ai envie d'aller dormir à l'auberge pour voir. Ça coûte combien l'auberge ici? Parce que du coup, on a vu pour l'instant deux souvenirs de Shadow. 250? Ouais, vas-y, c'est chiant. Bon, allez. On a vu deux souvenirs et deux mémoires, il y en a 4 ou 5 différents. Eh non. Eh, j'ai presque envie de faire tac. Tac. Voilà. En vrai, c'est ce qu'on peut faire si on veut farmer les souvenirs. Je vais pas le faire. Mais c'est une façon de faire. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais faire le coup de foreuse et je me suis planté. Allez, Zozo, avant de faire quoi que ce soit. L'habituel. La petite save avant d'entrer en ville. Ah très bien. Omis de Dieu. 1 giga. Peut-on soulever le giga? Watch eye. On peut soulever le giga. Non mais je veux... Cela dit...
Il le tue. Il le tue pas. Magnitude 8, ça fait très mal, on est d'accord? Ouais, ça fait extrêmement mal, c'est ça. Les indices 30 secondes. Eh. Ah, mais même dans le. On peut s'attaquer à la danseuse, bah écoutez. Pourquoi pas? Non. C'est quoi cette ville de mort, sans déconner? Level up de Edgar. Mais ouais, j'avoue qu'une petite attaque de zone, là, je dirais pas long. Je dirais clairement pas long. Ouah, ils ont des potions. Et du coup, bonsoir, bah salut à toi, Luxray. Comment vas-tu? Oui, mais assez imposant. Ah bah. Une clé à molette. En or. Invisibilité. Ah ok, très bien. Super. Je veux bien, mais quand même chiant. Non, ça va, ça touche. Et où comment ça va? Bah écoute, ça va tranquillement, écoute. Tranquillement, tranquillement. Moyen de faire plus de deux pas sans déconner. Raté. N'essayez surtout pas de sauter d'un immeuble à l'autre. Mmh. Replacer la petite aiguille. Ah, oui.
En gros, ça, c'est un truc auquel faut parler à tous les PNJ en ville, faire le tour de tout le monde, etc. Et ils nous donnent des heures qui ne sont pas bonnes. Et du coup, faut prendre la seule qui ne nous donne plus tronçonneuse. Qui c'est qui peut s'équiper d'une tronçonneuse sans déconner? Tiens d'ailleurs. Si on commençait à se mettre des accessoires. Ça, le truc du voleur, il est où? Ah d'accord, donc il peut pas se le mettre. Bon bah tant pis, on va le mettre sur lui. La puissance des sorts, non. Permet de tenir une arme des deux mains pour augmenter sa puissance, non. Permet de riposter aux attaques physiques. Je vais plutôt le mettre sur Sabienza, en vrai. Et augmenter sa force, parce que de toute façon, Michel est un bourrin, donc dans l'idée. Et du coup, je peux pas le voir. Tronçonneuse, inflige des dégâts ou élimine la cible d'un coup, s'utilise avec la commande machine. D'accord. Donc c'est soit ça fait du dégât, soit ça one-shot. Ok. Bon, dans l'idée, ça me va. On va tester. Il m'a volé 4000 guilds! Ouais, on les récupère. ouais. Applicable ça. Donc en gros, quand ça fait, il est sur la... quand il fait l'attaque qui one shot, c'est juste il met un coup de tronçonneuse devant lui. Quand il fait l'attaque tronçonneuse qui fait juste du dégât, il fait tourbillon tronçonneuse, si j'ai bien compris. Fait dépouiller là? Ouais, non, mais ça va, j'ai récupéré. J'ai pu récupérer. Et salut Isline, comment vas-tu?
Nice. C'est cool ce truc qu'on ait augmenté la... la puissance de Edgar. Ouais, alors par contre... Ça va et toi? Bah ça va, tranquillement, écoute. Faut que j'aille vers le bas, en fait. Non, mais lui, c'est chiant. Allez, tranche-moi ce machin. Soulève-le. Jeune fille, non, j'ai pas vu de jeune fille. Et vous ne risquez pas de la trouver au dernier étage de cet immeuble, alors inutile de perdre votre temps à monter. Excusez-moi, alors. Ah ! Non, on se fait même attaquer sur un balcon, quoi, sérieux. Ça aurait été cool qu'il attaque celui d'en haut. Que pour le coup, je ne choisis pas lequel il attaque quand tu fais le rayon d'aura. Même peu importe le jujitsu que j'utilise, je ne choisis pas la cible. Les citoyens de cette ville sont honnêtes, vous pouvez leur faire confiance. Ouais. J'en ai marre, combien de temps devrait-on continuer ainsi? Faites la queue comme tout le monde, hein. Je peux faire quoi? Bon, on va déjà essayer de monter tout en haut, ensuite on redescendra à la porte qui est là. Oh, nice. Peut-être un accessoire, gant de brigand, j'imagine. Transforme la commande voler en pilier. Ça, c'est bien, ça. Très très bien ça. Donc piller qui... enfin là où voler me permet juste de voler des objets, piller permet d'attaquer et de voler en même temps. Et ça c'est quand même très cool. Non, c'est chiant ça. Oh, tu bouffes. Par contre, petite tournée d'objets. Ok, je peux aller plus haut. Je suis pas du tout en train de me paumer, hein, je vous le dis, évidemment. Hein, si vous avez l'impression que je suis perdu, ce n'est évidemment qu'une impression.
Yo. Ouais, bon, ça, on s'en fout. Voler des lunettes argentées. Ça se prend. Ah, et du coup on arrive plus haut que là où on était. Ah, attaque par surprise. Fameuse. Tac, 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 la tronçonne... non. J'ai mis l'arbalète, je crois. Bravo. Des bottes Draken. Ah ouais. Genre comme ça, au calme. Bottes Draken. Level up et level up. Nouvelle technique de Jujitsu. Donc le machin du phénix que je regardais tout à l'heure, si je dis pas de conneries. La danse du phénix. Donc ok, d'accord. Pyrogriffe, oh! Baboum! Alors. La danse du phénix. Ok. Écoutez, petite attaque de zone. Moi, je dis pas non. Je dis clairement pas non. Level up de Locke. Pourquoi je sens que lui, là, là-haut, il va me... Ouais. Quel bon vent vous amène en cette journée si ensoleillée. Je suis plutôt faible et je déteste me battre. Alors je crois que je vais vous laisser passer. Et c'est un boss. Ah.
Ah ok, il a des potions, Michel. Et il en utilise plusieurs en plus. Ça va, on est bien, Michel, on se met bien. Elle utilise carapace en plus, très bien. Non, carapace, si je me souviens bien, c'est ce qui protège de la magie. Je me souviens bien. Voilà. Ça, c'est fait. Un turban. 1200 guilds. Sandales d'Hermès, c'est-à-dire. Elles confèrent à leur porteur l'effet du sort booster. Oh, c'est bon ça! C'est très très bon! Potion X, c'est bon ça! Des rats? Des rats? Elle a peur. Salut Ramu! Qui? Cette jeune fille est votre amie? Cette musique. Terra, elle n'a rien? Elle s'appelle donc Terra. Vous avez bien dit Terra? Voilà qui est intéressant. Super Saiyajin! Sa vie n'est pas en danger. Elle a tout simplement utilisé un pouvoir qu'elle ignorait posséder. Son corps a du mal à s'adapter. Je suis Ramu. La chimère Ramu. Une chimère? Chimère ne sont-elles pas censées vivre dans un autre monde? Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas vivre aussi dans le vôtre. L'apparence physique des chimères varie beaucoup. Puisque je ressemble à un être humain, je peux vivre parmi vous sans que personne ne se doute de mon identité. Et pourquoi cacher votre véritable nature? Les êtres humains et les chimères sont incompatibles. Ma grand-mère m'a dit qu'autrefois les humains et les chimères vivaient en harmonie. Ce n'était donc qu'une légende. Non, ce n'est pas une légende. Nous vivions bel et bien en harmonie. Jusqu'à la guerre des Magi. La guerre des Magi? C'était il y a très longtemps. Les chimères combattirent les humains à qui on avait insufflé des pouvoirs magiques extraits d'autres chimères. Après la guerre, les chimères créèrent un nouveau monde où elles pourraient se dissimuler. Elles craignaient que les humains essaient à nouveau de s'emparer de leur pouvoir. Il y a 20 ans, des humains découvrirent l'entrée secrète du monde des chimères. Ils connaissaient le secret de nos pouvoirs. Ainsi débuta la chasse aux chimères. Gestal, leur chef, savait qu'il pouvait extraire nos pouvoirs et créer une armée invincible. Quand nous avons réalisé ce qui se passait, nous avons érigé un portail et expulsé tous les humains de notre monde. Ceux d'entre nous qui furent capturés sont toujours prisonniers dans le laboratoire Magitech de l'Empire. Leurs pouvoirs sont lentement extraits de leur corps. J'ai réussi à m'échapper et je me suis réfugié ici. Elle semble être un peu plus calme. J'ai appelé Terra car j'ai senti qu'elle avait perdu le contrôle de ses pouvoirs. Elle a répondu à mon appel. Terra est une chimère? Non, il y a quelque chose de différent chez elle. On dirait qu'elle souffre.
Elle a peur de ce qu'elle pourrait être, et l'angoisse la fait souffrir. Et que pouvons-nous faire pour elle? Lorsque l'on a compris et accepté qui elle est, son angoisse devrait se dissiper. Et comment pouvons-nous lui prêter main forte? Les chimères qui sont prisonnières dans le laboratoire Magitech pourraient peut-être l'aider. C'est certain que les autres chimères sont dans le laboratoire Magitech? Je me suis échappé et abandonné mes amis, et je me suis caché ici comme un lâche. Cependant, mon heure approche. Que voulez-vous dire? La méthode qu'utilise Gestal est incorrecte. Il est impossible d'extraire de force tous les pouvoirs d'une chimère. Cela nous affaiblit. Nous ne pouvons vraiment insuffler nos pouvoirs à des humains que sous forme de magilite. Comment? Je vais me transformer en magilite afin de vous octroyer mes pouvoirs. En magilite? Un magilite est l'essence pure des pouvoirs d'une chimère. C'est tout ce qui reste quand elle meurt. Mais... voilà à quoi ressemblent des magilites. Voici mes compagnons qui ont péri en essayant d'échapper à l'Empire. Je vais enfin les rejoindre. Ramu. Il s'est transformé en magilite. Il s'est sacrifié pour nous aider. Pourquoi se sacrifier ainsi? Si nos pouvoirs continuent d'être utilisés à de mauvaises fins, votre monde ne survivra pas. Arrêtez l'Empire. Il faut à tout prix éviter une seconde guerre des Magi. Et on obtient Ramu. Et là, on se dit, waouh, des nouvelles invocations, trop bien! Kaitsit. La sirène. Et Kirin. Wouhou! Et voilà. Et donc je vous laisse admirer le nombre d'invocations hein, qu'il y a quand même. Je garantis pas qu'on les aura toutes, je vous le dis. Clairement je garantis pas. Mais bon, on verra bien. Et salut Naega, comment vas-tu? Par contre déjà, avantage avec ce FF6, c'est que on sait ce que font les invocations avant de les lancer. Ce qui est quand même pas mal. Donc Ramu, qui fait fulguration, inflige des dégâts élémentaires de foudre à tous les ennemis. Une fois équipé, on pourra obtenir la magie foudre, foudre plus et arsenic, mais pour ça, bah, vous voyez qu'il faudra, faire des combats pour augmenter la maîtrise, que vous avez là-bas à gauche, et etc. À chaque niveau, avec la personne qui l'aura équipé, enfin comment dire, à chaque fois que je passerai un niveau en ayant par exemple Ramu équipé, j'aurai un point de vigueur supplémentaire pour le personnage qui en est équipé. Kirin n'a pas de bonus. Par contre, il fait aura sacrée, régénère peu à peu les HP des alliés. Et qui me permettra surtout d'apprendre soin, soin plus, récup, sérum, acuité. Donc, ouais, c'est quand même pas mal. La sirène qui a voix ensorcelante et qui inflige l'altération d'état mutisme à tous les ennemis. Qui pourra surtout m'apprendre Morphée, Silence, Somnie et Brasier. Et qui pourra me permettre à chaque level up d'avoir 10% de HP supplémentaire. Ce qui est quand même très très cool. Et Kaitsit, Pluie Féline, inflige l'altération d'état Folie à tous les ennemis. Et qui permet d'apprendre Démence, Kappa et Lévitation. Et d'avoir plus 1 de magie à chaque level up. Du coup voilà, pour ce qu'il en est actuellement. Terra, attends-nous, nous reviendrons bientôt te chercher. Ouais, ça?
Bon, bah laissons là ici. Ah non, c'est bonjour. Je regardais le chat en descendant, du coup j'avais pas vu. Bah, vous êtes venu, il y a du nouveau. Nous pourrons discuter en marchant. Bah du coup, bah, ça va bien, ça va tranquillement, je sais même pas si je t'ai répondu. Alors les chimères sont la source de la technologie magitech de l'Empire. On a Go, lui, il se jette par la fenêtre, tout va bien, c'est normal. C'est vrai, Céleste. Je n'étais pas consciente quand on m'a insufflé mes pouvoirs. Cependant, c'est ce que racontent les rumeurs. Nous devons nous infiltrer dans l'Empire. Il vaut mieux nous séparer, encore une fois. Nous devons aussi renforcer nos défenses en arche. En effet, ce serait plus prudent. J'irai m'infiltrer dans l'Empire, j'en connais les moindres recoins. Je peux pas tout de même y aller seul. Je peux tout de même pas y aller seul, pardon. T'inquiète pas, je vais l'accompagner. Locke? Comment t'es arrivé là, Go? T'es sérieux? Il serait préférable d'amener d'autres volontaires. Je dois vous quitter. Bon. Et bah du coup, Shadow nous quitte pour le moment. Est-ce qu'il y a un groupe plus particulièrement à prendre ou pas? C'est détressé, détressé. Ah, bah du coup... C'était pas le point où Shadow nous quitte obligatoirement. Il peut se barrer à ce moment-là, mais il aurait pu rester encore un peu. Donc bon, bah, voilà. Aucune importance, blablabla, si vous souhaitez apprendre, si la chimère fonctionne, si... Ok, donc apparemment, pas de... Pas de... De groupe prédéfini ou plus... Plus préférable, dirons-nous. Je sais pas comment dire ça, mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, tac, tac, tac. Qu'est-ce que... Bah, je prendrais bien... Je sais pas. Go, je m'en fous. Je prendrais bien Sion. Oh, je sais pas. Parce qu'en vrai, le combo Edgar-Saben est quand même plutôt bien. Bah écoutez, je vais prendre Edgar. Attendez-nous en arche, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Si nous voulons changer les membres de l'équipe, nous n'aurons qu'à retourner en arche. Ça va, c'est pas du tout à l'autre bout du monde. C'est bien. L'Empire est situé sur le continent sud et tous les ports sont fermés à cause du conflit. Comment allons-nous nous y rendre? Les aristocrates de la ville de Jidor au sud d'ici pourront sûrement nous aider. Certains disent que l'argent peut tout acheter. Locke? Oui? Pourquoi tu voulais venir avec moi? Oh, on dit qu'un trésor légendaire est caché quelque part dans l'Empire. Je voulais aller y jeter un coup d'œil, c'est tout. Vous avez des magilites? Je peux vous expliquer comment invoquer une chimère. On va le faire. Pour utiliser une chimère, il vous faut vous équiper de son magilite en appuyant sur le bouton magilite en regard de l'état du personnage dans le menu principal. Pour l'invoquer au combat, sélectionnez magie puis appuyez sur magilite. Une chimère donnée ne peut être appelée qu'une seule fois par combat. Intéressant. Pour apprendre des sorts, équipez-vous d'un magilite. Chaque chimère offre des sorts différents. Plus le taux d'apprentissage d'un sort est élevé, plus vous l'obtiendrez rapidement. Certaines chimères vous permettent aussi d'améliorer vos caractéristiques lorsque votre niveau augmente, ce que j'expliquais tout à l'heure. Bon, bah ça dit pas grand-chose de plus. Bah du coup, Céleste, je suis très tenté de lui mettre Kirin pour qu'elle puisse apprendre les soins supplémentaires. Sion, qu'est-ce que... Je lui mettrais bien Ramu pour la vigueur à chaque level.
Quoique. Est-ce qu'on a en stat HP et magie? Je sais pas. Ouais, on va faire ça. Pour l'instant, on va faire ça. Et allons-y. La petite save. Dodo, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle et j'ai pas équipé Sian et Céleste. Du coup, Magilite, les voilà. Sauf que bon, je vais pas commencer à claquer déjà des invocations, parce qu'il faut pas les conner. J'aime beaucoup cette animation. Clairement, j'aime beaucoup cette animation. 2 PA de magie, d'accord. Et donc, on va juste vérifier du coup. Ok, donc elle a... Ah mais non, ça c'est les trucs qu'elle a déjà. Donc elle a 2, 6 et 10%, d'accord. Ah oui, non mais ça on s'en fout. Lui... D'accord. Ok, bah je vois globalement comment ça va marcher. J'avoue que je me souvenais pas du tout de ce principe de d'invoque, en celui-là en tout cas. Ouais, qu'on s'équipe, on s'équipe, on s'équipe. Ici. Augmente la puissance des sorts, j'ai bien envie de lui mettre une boucle magique. C'est quand même une magicienne dans l'idée, à la base. Bon, plus ou moins hybride, dirons-nous. Blindage, ouais, pourquoi pas. Ah bah les bottes Draken qu'on a volées qui permettent d'utiliser sauter. Des bottes ailées que portaient les chevaliers dragons. Ouais... Permet de... Ouais... Ouais... Éventuellement, bracelet de force. Lui par contre, on peut lui booster clairement. Déjà, on peut lui mettre la ceinture noire pour avoir des contre-attaques. Et en vrai, le brassard de force, je vais pas le mettre sur lui, sur Céleste. Il est là. Autant que ce soit notre samouraï qui a quand même un DPS qui est pas dégueulasse, autant que ce soit lui qui profite de dégâts supplémentaires. Allez, go! Tac, tac, et tac. Level up. Bon. Avant de faire ça, l'habituel, la save. Du coup, bon, on va aller voir le manoir des géants là. Ça me paraît pas mal. Je sais pas, ça parlait de riches, tout ça, donc ça me paraît être un plutôt bon plan. Toi, Maria? Qui, moi? Désolé, je vous ai prise pour quelqu'un d'autre, c'est incroyable, vous êtes vraiment le sosie de Maria. Ah, misère, que vais-je faire? Céleste ressemble à Maria?
Oui. Ah. C'est comme deux gouttes d'eau à Maria, quoi? Vous la connaissez pas? C'est une célèbre chanteuse d'opéra. Ah, ça y est, je sens que je sais ce qui va se passer. De l'avoir laissé tomber. Cet homme est le directeur de la troupe de l'opéra, tout le monde l'appelle l'impresario. Cette lettre l'a mis dans tous ses états. Ma chère Maria, j'ai décidé de te prendre pour épouse. Je viendrai bientôt te kidnapper, le flambeur errant. Et qui est ce flambeur? Comment pouvez-vous ne pas le connaître? Ah, oui, lui. Un joueur invétéré qui parcourt les cieux sur son aéronef, le Blackjack, sans se soucier des règles de la morale. Je vous présente Setzer, qui est un nom qu'on reverra dans d'autres Final Fantasy. C'est Setzer, le propriétaire du seul aéronef au monde. Si nous avions un aéronef, nous pourrions atteindre l'Empire. Ah, nous devons rencontrer Setzer. Ah, je... Pousse-toi! J'ai combien de thunes? 16 000. Est-ce que j'irai pas voir à faire un peu de stuff, Aurore? Notamment pour Céleste, qui a que dalle. Bon, ça, c'est pour Michel. Bah, éventuellement, un petit katana, hein, ça peut être pas mal. Ça, on s'en fout. Pour l'instant, Shadow n'est plus avec nous. Bon, bah, on a qu'un katana, du coup. Un katana. Bah, Michel! Ah. Le Quick Kichimonji. Et éventuellement quelques armures. Je sais plus si c'était au sud, il me semble. Ouais, c'était là. C'était bel et bien là. Une robe blanche qu'on va prendre pour Céleste. Ça, on va en prendre une pour Sion. Et ça, on va en prendre... Bah, 3. Bah, j'en profite, j'ai un peu de thunes, hein, donc clairement, équipons-nous. Équipons-nous. D'ailleurs. Vendre. Et ouais, mais là, le truc, c'est que j'ai le stuff des autres que je n'ai pas dans le groupe. Donc, je sais pas qui utilise quoi en fait. C'est chiant. C'est extrêmement chiant. Je sais que la dague, ça sert à rien. Doc Dimitril, je sais que non plus. Vous voyez, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai du mal à accrocher à la dague éolienne aussi. Au Final Fantasy où on n'a pas un groupe fixe. Ou en tout cas un groupe qu'on peut gérer nous-mêmes. Parce que du coup là, à chaque fois, on est obligé de changer de temps en temps, etc. Et on se retrouve avec tout le stuff des personnages du groupe qui ne sont pas dans le groupe. On se le retrouve en mode YOLO dans le sac et du coup bah c'est chiant. Je sais pas ce que je peux vendre ou pas, donc c'est relou. Je trouve ça extrêmement relou, personnellement. On me dirait s'il y a que ça, c'est pas grave, mais bon, c'est chiant quoi. Par contre, je viens de penser... Le fait d'avoir foutu le fléau d'armes, la masse d'armes, enfin le fléau à Céleste, elle ne peut plus utiliser sa compétence magique. Ce qui est très chiant. Parce que du coup, certes, elle fait plus de dégâts,
Mais du coup, je peux pas utiliser ses compétences, ce qui est très chiant. Je rappelle, Céleste, sa compétence, c'est de pouvoir absorber la magie. Ce qui est quand même plus sympathique en soi. Voilà, la lame égide. Aïe. Tac, tac, tac. C'est bon, c'est bon. Après, en soi, j'avoue, je sais pas, est-ce qu'elle peut utiliser ses magies avec une autre épée dans la spat? Est-ce qu'on aura accès à sa magie? Parce qu'en soi, ce qui est chiant avec l'épée runique, c'est qu'à chaque tour, elle peut faire des coups critiques pour le prix de MP. Ce qui est en soi très chiant. Parce que j'ai pas envie de claquer mes MP pour faire des coups critiques, en fait. Elle peut utiliser quand même. Ok, très bien. Très bien, très bien. Bon, du coup, elle fait quand même largement moins de dégâts, ce qui est très chiant. Mais en cas de boss ou de mob qui utilise la magie, je pourrais l'absorber sans problème. Edgar a pris Morphée, si on a pris Foudre, impeccable. On en est où d'ailleurs? 50% d'acuité, pourquoi pas. Bah là, c'est, moi pour ça, c'est surtout le soin plus qui m'intéresse. Le récup aussi est très intéressant, mais bon. Lui, Foudre, c'est cool. On aura Arsenic, qui peut être intéressant. Edgar a pris Morphée. J'avoue que là, c'est le Brasier qui m'intéresse le plus pour l'instant. Et sur lui, il n'y en a aucun qui m'intéresse, à part Lévitation, qui pourra être utile, mais bon, dans des cas vraiment particuliers. Allez, go! Ah, encore vous! Nous avons lu la lettre. Alors, cette heure viendra enlever Maria? Il le fera probablement au point culminant du premier acte. Il adore faire son entrée. Pah. D'accord, et c'est à ce moment que nous le capturerons. Mais non, je vous en supplie! Vous ruineriez la représentation! Je pourrais me faire congédier! Et si vous ne faites rien? Ah, bizarre, je veux que la représentation soit un succès, mais je veux pas que Maria se fasse enlever! Laissez-le la kidnapper! Nous utiliserons l'heure et ensuite nous n'aurons qu'à suivre à 7 heures. Si tout se passe comme prévu, nous pourrons réquisitionner son aéronef. Oui, Céleste, c'est de toi qu'on parle. Avez-vous perdu la tête? Et si quelque chose arrivait à Maria? C'est pour cette raison que nous utiliserons un leurre. Maria se cachera dans un endroit sûr. Pardon? Je l'aime tellement, cette petite animation qu'ils ont fait en mode... Vous avez dit que Céleste ressemble à Maria, non? Un instant... Elle sera notre Maria. Nous laisserons Setzer l'enlever et nous le suivrons jusqu'à son aéronef. Merveilleux! Attendez! J'étais un général, hein, je n'ai rien d'une diva! Maria. Elle a vite changé d'avis. J'ai une petite surprise pour vous, moi aussi. En fait, c'est même une surprise de poids. C'est même, enfin, faut faire la même chose avec des... Au travail, nous devons faire de Céleste une diva.
Hein, personne n'a lu ma lettre. Bah, posons-nous, écoutez. Le conflit entre les armées de l'Est et de l'Ouest s'envenime chaque jour. Draco, un soldat de l'Ouest, pense à sa dulcinée Maria, qu'il a dû laisser derrière lui. J'étais pas prêt. Oh Maria. Au secours. Entendras-tu, mon aimé, mes paroles enflammées, comme si j'étais près de toi. Je vais aller voir Céleste dans sa loge. Ah, j'espère que tout va bien se passer. Allons, on va l'encourager. Et où allez-vous? La représentation commence à peine. Ah, ils sont à fond dedans. Je sais pas pourquoi, je vois beaucoup Céleste et Locke ensemble. Ouais, c'est vrai. Pas vous. Ah, je peux pas vous laisser aller là-haut, c'est trop dangereux. Ah, si, pas par là. Il y a toujours la lettre du coup. Non. J'imaginais pas que tu pouvais être aussi ravissante. Locke, pourquoi m'as-tu défendu, Anarch? Je refuse désormais de ne pas agir quand celle que j'aime a besoin de moi. Est-ce pour moi ou pour elle? Ce ruban te va bien. Je vais bientôt monter sur scène. C'est l'aria où Maria, inquiète au sujet de Draco, donne libre cours à ses émotions. Tu aurais peut-être vérifié ton texte une dernière fois, non? Ah! Au secours. Bah, lisons le texte. Première partie. Oh mon chéri, mon bien-aimé, devons-nous nous séparer? Au moment où nous nous sommes jurés notre amour pour l'éternité. Il est l'étoile qui brille au loin dans l'obscurité sans fin. Le jour et la nuit, je ne pense qu'à lui, à mon étoile du matin. Comment puis-je jurer d'aimer un homme autre que celui qui est ma seule et unique destinée? Mon cœur est tourmenté. Ensuite, tu dois ramasser le bouquet de fleurs, monter sur l'escalier et jeter les fleurs du plus haut balcon. Toi, tu l'as fait avant le début de la deuxième partie, l'interlude des cours. Impressario.
Deuxième partie. Oui. Ah mais je veux lire la deuxième partie, moi, je... Non ? Ok. Bon, bah on verra plus tard du coup. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, c'est... Oui, bon bah... On va parler vite fait à Locke et ensuite... Ensuite on va se barrer là-haut. Ça va, t'es toujours tout rouge ? Oui, ça va, c'est bon. Il est toujours tout rouge. Bon bah... L'armée de l'Est a triomphé et s'est emparée du château de Maria. Obligée à épouser Rals, le prince de l'armée de l'Est, Maria pense toujours à son bien-aimé Draco sous le ciel étoilé. Mon texte est... Oh mon chéri! Il est l'étoile machin, je crois. Le prince, comment puis-je, je sais plus. Je crois que c'est ça. Sire Draco ? Viens, Maria, danse avec moi. Ah, je... Ouais, on va danser. Ben, j'ai plutôt l'impression que je te cours après, mais... Non. Ah, c'est ici. Il y aurait moyen de le chanter en vrai. Il y a vraiment moyen, je pense. Le prince Rals requiert la présence de sa partenaire de danse. Oubliez le passé, nous sommes des citoyens du royaume de l'Est désormais. Par contre, j'ai pas jeté le bouquet, what the fuck? Normalement, elle est censée le jeter en fait. Le fameux bal, hein, comme dans beaucoup de Final Fantasy. Thank you.
Elle l'a jeté pendant le chant. Ah, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait attention. Je me demande comment c'était sur cette scène sur SNES. Bref, c'était globalement... Dans mes vagues souvenirs, il me semble que c'était globalement comme ça. Bravo, Céleste. Je peux genre aller squatter hein? Non, je peux pas aller squatter la scène. Je vais ruiner la présentation, ça vous apprendra à ne pas me respecter. Ça va invertir l'impresario. Signé Orthros. Comment ? À l'attaque ! Attendez ! Comment compte-il ruiner la représentation? Regardez là-haut! Voilà donc. Pourquoi, dans FF14, Ultros utilise des compétences avec des poids qui tombent? Si, voilà. Je vais faire tomber ce poids sur la tête de Maria! Il est plus lourd que je le pensais. Il faudra bien 5 minutes pour le pousser. Et c'est pas des 5 minutes à la freezer, hein, je vous le dis. Nous n'avons pas une seconde à perdre. Adressez-vous, machiniste, dans la salle de droite. Il faut l'aider. Il vous aidera à aller là-haut. Entendu? C'est pas des minutes à la freezer. Non, on a dit en haut. Je sais pas si ça. Le temps défile quand je mets mon menu. On était à 48. Ouais, le temps défile. Go, 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 go. Vous envoie, vous voulez atteindre les passerelles? Oui. Utilisez le levier au bout à droite. Oui. Ok. Par où on va? La porte de la salle à gauche de la scène devrait maintenant être ouverte pour accéder. Ok, go. Oula, oula. Ok, c'est ouvert. Enfin, est-ce que c'est celle-là? Ouais, c'est bon. Allez, let's go. Ah, barre-toi, le rat! Pourquoi faut vraiment qu'il y ait un rat dans un opéra, sans déconner? Contre, c'est chiant. Ils font masse dégâts, les pépères. Résiste bien en plus. C'est que ça résiste bien. Ok, c'est bon.
Tac. Je pense qu'avant le prochain live, une séance d'express sera la bienvenue, non? Bah en vrai, j'ai envie de dire oui et non, quoi, parce que, bah, on galère pas tant que ça. Les mobs sont résistants, mais ça passe. Donc en vrai, je sais pas, en termes d'XP, je sais pas où est-ce que je me trouve. Est-ce que je suis en retard ou pas? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Bon, on va faire tac à gauche, tac. En espérant que lui attaque à droite, oui, ça a l'air. En vrai, j'en sais rien. Je. Si vous me dites que oui, il y a du retard, je probablement Bex, pas un souci. Ok, il a pris brasier, c'est cool. Ouais, je pense que niveau timer, on va être très chaud, donc ouais, il y a moyen qu'on soit en retard. Il y a moyen qu'on soit en retard en fait. En retard en XP. J'ai pas joué, je peux pas dire sur le retard. Ouais. Après, je sais que, bah, Farage, en termes de let's play, je sais que lui avait farmé. Donc, en vrai, je peux pas vraiment me faire une idée, en fait. Une idée précise de est-ce que j'ai vraiment du retard ou pas en termes d'XP. C'est pas là, c'est là. Bon, on arrive, c'est bon. On va se remettre full. Il a tout appris? Ok, bah pour l'instant on va faire ça. Toi! Hein? Ah zut! Oui! Oups. Ah misère! Sans les deux rivaux, l'histoire ne peut plus continuer. Qui épousera Maria? Locke, lève-toi. C'est le moment. Très cartoon, la chute. Oui, bah... C'est les RPG à l'ancienne, très cartoon. Céleste n'épousera ni Draco ni Rals. C'est moi, Locke, le célèbre aventurier qu'elle épousera. Ah, bizarre, quel mauvais acteur. Silence, silence! C'est dans mes bras qu'elle tombera, et j'en ai bien plus que toi! En garde, misérable malfrat! Autant en profiter. Musique, s'il vous plaît! Ah, coucou! C'est encore moi! Je vous ai manqué? Non. Absolument pas manqué du tout. Genre raté. Y'a rien à voler, ok. Non mais. Ouais, d'accord. Je viens de. Non, je voulais pas faire ça. Oh là là, j'ai fait que de la merde. Ok, très bien, one shot, ça c'est fait. Merci d'être venu, à la prochaine. Machin. Je
Kappa, ami, ami. Non. Est-ce que ça marche comme dans les anciens? C'est-à-dire que si tu es en Kappa et que tu utilises Kappa, tu te détransformes. Oui, parfait. Tac. Allez, go, 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 go. Tac, tac, la foreuse. On va se soigner. Tac, tac. Tac. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas une pieuvre ordinaire. Je sais plus ce qu'il fait, Kaitit. Je sais plus. Ah si, ça inflige folie ou... Non, si, folie, furie, folie, je crois que c'est folie. Ouch. Comme on s'amuse! Folie et tous les amis, ouais, c'est ce que je pensais. Bah, tu me saoules avec tes plus acides, Michel. Je vais aller voir sur les niveaux. Ah, le Kappa de ses morts! Qui s'est fait capacifier? C'est environ niveau 19. Ouais, après, les niveaux des boss ne sont pas non plus une source exacte, en fait. Ouais. Bon, par contre, le fait que je me fasse défoncer... pas de quoi faire un sang d'encre. Un jour, j'aurai ma revanche. Bon, ça va. Mais par contre, oui, le fait que je me fasse défoncer plusieurs fois, perso, ça montre que oui, je manque de level. Mais en soi, le niveau d'un boss n'a pas de réelle indication, en fait. Un instant! Quelle superbe performance, je vous félicite! Setzer, je viens kidnapper Maria comme je l'avais promis. Ah. Que d'imprévu! Setzer enlève Maria alors qu'elle s'apprête à épouser Locke, l'aventurier. Que lui arrivera-t-il? Ne manquez surtout pas notre prochaine représentation. Mais en soi, oui, en fait, c'est déjà souvent arrivé que dans d'autres Final Fantasy, et celui-là aussi, on affronte des boss qui soient beaucoup plus haut level que nous. Alors que on n'est pas, notre niveau n'est pas en retard en fait. Ne t'inquiète pas, je te comblerai d'attention plus tard. Yo. quel merveilleux talent d'actrice, Céleste. Elle te moque pas de moi, hein? Mais le véritable spectacle va bientôt commencer. Place à l'acte 2. Où est Setzer?
Je pose la question à quelqu'un qui a beaucoup joué au jeu. Bah en vrai, c'est même pas besoin, hein. Je pense que d'ici le prochain live, je ferai une petite session de farm et puis voilà. Ça réglera le problème. Il devrait revenir bientôt. Genre maintenant. Et que faites-vous ici? Et toi, tu n'es pas Maria? Setzer, nous avons besoin de ton aide. Nous devons nous rendre à Vector et ton aéronef est le seul. Tu n'es pas Maria, je ne peux rien faire pour toi. Attends! On dit que ton aéronef est le plus rapide au monde. Et que tu es le plus grand flambeur qui soit. Je suis le roi de Figaro. Si tu nous aides, je te récompenserai généreusement. Et je suis un guerrier de Doma. Accordez-nous votre aide, je vous en supplie. Suivez-moi. Alors tu... Ne vous méprenez pas, je n'ai pas encore accepté de vous aider. Donc voilà pourquoi le vaisseau s'appelle le Blackjack. Hein. Alors par contre, il y a moyen de dormir. En fait, je sais pas si dans celui-là, le dormir fait reste les persos, je sais pas. Plaisir de vous avoir à bord. Oui, des rafraîchissements. Rafraîchis-nous. Ouais, c'est bon. Impeccable. Impeccable. Du coup, par contre, j'ai changé. C'était qui que j'ai changé? C'était Katie, je crois. Non, si. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai changé? C'était Ramu? Non. Bah, du coup, c'est Kirin. Oui, voilà, j'avais fini Sirène. Sauf que bah, le problème, c'est que toi, tu n'as pas fini Kirin. Loin de là. Des potions qu'on va racheter, évidemment. Une petite dizaine, voilà. Éther, ça va. 5, ça ira pour l'instant. Remède, je vais peut-être en prendre un ou deux. Ouais, 3. De Phoenix, on va en racheter. Et voilà. Donc. Aïe. Donc. Michel Setzer. Bon, je vais quand même visiter un peu. C'est chose faite. Ouais, y'a rien d'autre en haut. Y'a rien d'autre en haut. Donc Michel Setzer. Allons-y. Avouez que les affaires ne vont pas fort ces temps-ci à cause de l'Empire. Tu n'es pas le seul à en pâtir. L'Empire a envahi des dizaines de villages, de villes et villages. Il utilise la technologie Magitech pour envahir le monde. Jusqu'à récemment, mon royaume était un allié de l'Empire, mais il est allé trop loin. L'Empire a empoisonné ma famille et tous mes compatriotes. Nous avons tous des raisons de détester l'Empire, alors s'il te plaît. Tu sais, je crois que tu es encore plus jolie que Maria. Quoi? Entendu, je vais vous aider. Mais seulement si Céleste accepte de m'épouser. Quoi? Mais t'as perdu la tête! D'accord. Parfait, c'est décidé. Mais j'ai une meilleure idée. Tirons à pile ou face. Face, tu nous aides, pile, je t'épouse. Alors, monsieur le flambeur. Ça me plaît, j'accepte. Céleste, t'es certaine? Si tu l'épouses. Et vous pensez à ce qu'il pourrait vous faire subir? Prêt?
face. J'ai gagné. Tu dois nous aider comme tu l'as promis. C'est une fausse pièce. Quel trésor précieux. Je n'avais jamais vu de pièces à deux faces identiques. Je n'ai jamais dit que je ne tricherais pas. Après tout, ça fait partie du jeu. tu es donc prêt à tout pour faire... à tout faire pour que je vous aide. Admirable. Quoi de mieux que de risquer sa vie en misant contre l'Empire. J'en ai déjà des frissons. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Ah là, 7h. J'arrive pas à croire que ce tas de ferraille puisse voler. Es-tu certain que nous n'allons pas nous écraser? Nous nous écraserons quand nous nous écraserons. La vie est un jeu de hasard où il faut tout risquer et où le sort décide de qui remporte la mise. L'Empire nous repérera rapidement si nous survolons la capitale. Atterrissons un peu plus loin. Une excellente idée. Je resterai à bord, ainsi nous pourrons repartir quand vous voudrez. Ah, c'est comme les castramas en fait, hein. Tu les vois de loin? Albrook. Ça c'est des objets. Ah, il y a un coffre. Ah, mais tous ces magasins où il y a des coffres quoi, c'est tellement nul. On peut pas piller. C'est très chiant. Et GG Démoniax pour ton level 22. Ah oui, d'accord. Vous n'avez probablement même pas d'argent. Ça va, Jacqueline? Tu vas te calmer? J'ai un peu trop vu. Bienvenue? Ok. Hors de mon chemin. Oui, bon, ça va. Le loot de l'horloge, hein, comme d'habitude. Non. Ah, du stuff en bas. Ça m'intéresse. Oh, des coffres aussi, ça m'intéresse. Je vais pas me commander un tableau, mais je ne sais pas quoi peindre. C'est quand même dommage. Alors... Non, pas le fléau d'armes. Héros démoniaque. Éventuellement, essayer de voir s'il y a un marchand d'armes, voir s'il y a une épée. Ce serait bien. L'auberge, on s'en fout, quoique on va vite fait passer. Voir s'il n'y a pas une horloge qui traîne dans l'idée.
Mais en soi, ouais, j'aimerais bien trouver une épée. Ah bah, en haut à droite. Je l'ai vu! Je l'ai vu! Yo! Évidemment, on va vendre des trucs. Alors, épée de Mithril, on peut. Doc de Mithril, on peut. Donc, épée de Mithril et Doc de Mithril. Épée de Mithril. Tac. Les targes, on peut. 3000, c'est bon, on est bon. Épée bâtarde. Go! Tac. Voilà. Bon, bah du coup on est bon. Juste voir, est-ce qu'elle a un truc particulier cette épée bâtarde? Non. Parfait. Parfait, parfait. Bon, bah je pense qu'on a fait le tour, hein. Il reste 7 guilds. Bête de dieu, ta bête de dieu. Ah oui, ça fait plus de dégâts que ce qu'elle avait. Ça, c'est clair. Sérieux, un masque, t'as quoi? Ah, des dragons! Dans le doute. Chier, ça me nécrose. C'est très chiant. Masque de tigre, un molosse. Masque de tigre, c'est-à-dire. T'as volé un masque de tigre sur le rouge. Ah d'accord, j'ai pas fait gaffe en fait. J'avoue que je fais voler, mais je regarde pas ce que je vole, donc Euh...
Masque de tigre, en effet. On va voir si quelqu'un peut s'en équiper. Non. Je peux pas m'en équiper. J'imagine que... comment il s'appelle? Que Sabine peut s'en équiper. Ou Go. Ah, peut-être Go, ouais, en effet. Peut-être. Peut-être Go. Son. On verra bien quand on les retrouvera. C'est tout. Je m'entendais un peu plus. Donc je vais lui enlever les bottes Draken. Parce que c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. La nouvelle technique de Bushido. Sian. Le Mai. Enchaîne 4 attaques successives sur un ou plusieurs ennemis. Sympa. Sympa, sympa. Donc ouais, du coup, je vais lui enlever les bottes, Draken. On va lui mettre ça en attendant. Tac, tac, et du coup, Mai qu'on va tester. Donc ouais. Avec un jump, elle tape à 150, avec une attaque normale, elle tape à 160. Soy, pot soy, pot soy, no soy. Cool. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Zen. Je veux juste voir, est-ce qu'il y a des trucs à faire ici? Aucun objet, me faire un tour dans les magasins... non, y'a rien. Non, y'a rien. Bon, au moins on aura visité la ville. Qu'est-ce que c'est que ça? Des poulets! Ah ouais, c'est ça. Ok. Ça des poulets. Ça peut être très très cool ce Mai en vrai. Ça peut être vraiment très sympa. Moins il y a d'ennemis et plus ce sera sympa en fait. C'est un peu long à charger. Esquive. Un petit soin de groupe. Soy, pas de soy, ne soy, ne riez. C'est trop bien, j'adore.
Ça beaucoup trop bien, j'adore. Elle a pris acuité, et donc elle a pas terminé. Est-ce qu'il lui reste? T'as soin plus qui est à 20, quoi. Pff. En même temps, c'est juste un foin. Hein. Ouais. Mais ça couille? Moi, ça couille! Sans guilp. Bon, c'est ici qu'on doit aller, mais on va évidemment pas y aller tout de suite. On va aller faire un petit tour dans la ville qui est en bas de la map. J'aurais dû faire une... Quoique, j'essaye avant d'entrer dans la truc. Au revoir, petit chocobo! Maranda. Ah bah du coup, Maranda, c'est la ville dont on parlait au dernier live. Autrefois, Maranda était la plus belle ville de ce continent. Regardez ce qu'elle est devenue depuis que l'Empire l'a envahie. Les soldats font ce qu'ils veulent et nous ne pouvons pas les en empêcher. Combien de temps cela va-t-il durer? Yay! Je sais pas, je me suis dit ça. C'est du pif total, j'avoue, ce loot. Deux caisses bien excentrées, genre chiant à aller chercher, je sais pas, ça se tente. Ah, ça fait du combat de chien carrément. Ouf ouf. Il va absolument que je l'épouse, hein. Tiens ma chérie, hein. Mon fiancé n'a pas répondu à la lettre que je lui ai envoyée, je suis si inquiète. Bah, ça, c'est en rapport avec la fameuse quête de du courrier qu'on peut faire, mais que... Parce qu'il nous plaît ici. C'est moi qui prends les paris. Ah, ils sont tous à fond? Ouais, c'est ça, ouais. Ah, même le gosse, très bien, bon, on est bien. Je sais jamais ton propos sur... Ah oui, bah oui, là, Michel. Zen et Herbrook ont été envahis par l'Empire. Oui, bah oui. Zen. Est-ce qu'on ferait pas une petite nuit à l'auberge? Oui, ça me paraît bien. En espérant qu'on puisse. Bon, vu qu'il y a l'Empire, tout ça, tout ça. La vieille, elle a quand même un truc à dire. Mon fils a été forcé de se joindre à l'armée. J'espère qu'il reviendra sain et sauf. Ah bah, je l'ai peut-être déjà tué. Ah, parce que des soldats de l'Empire, on a claqué quelques-uns. Allez, tech, dodo. Ça s'est passé à 200 pour dormir. On ira voir à droite, s'il n'y a pas une horloge. Parce que qui dit horloge, dit loot. Oh! Ouah, arnaque! Une horloge sans loot! Nul! Nul de chez nul! Bon, et eh bien écoutez. Petite sauvegarde. Ah oui, du coup, j'avais pas fait gaffe, on a le point bleu qui, du coup, est l'aéronef, j'imagine. Et le point rouge, qui est notre, bah, notre objectif, hein, comme d'habitude. Alors normalement...
Ah, des poulets! Ah, voler un sac de couchage, c'est bien ça. On va expliquer ce que foutait un poulet avec un sac de couchage, mais bon, l'idée, oui. Soy. C'est trop bien. J'adore. Wachai! Alors ça, j'étais pas prêt. Bon, cela dit, on a récupéré 1300 guilds, c'est ça? Et ça coûte 200, donc je vais redormir. D'accord, donc les poulets, si on fait pas gaffe, quand ils crèvent, c'est séisme, mais ça fait très très mal. Et c'est dans ces cas-là que je me dis que, clairement, j'ai pas assez de level. Parce que ça fait 300 dégâts et que j'ai tout pile, enfin tout juste 300 PV, si ce n'est un petit peu plus. Donc on commence à voir le délire de l'attaque finale. Très bien. Ça c'est un truc que j'ai jamais aimé dans les FF, l'attaque finale. C'est un mob. Il a plus de vie. Mais juste avant de crever, il est vraiment à 0 PV. Hein. Mais juste avant de disparaître, pouf, grosse attaque dans la gueule. C'est un truc qui revient assez souvent dans les FF. Et bon voilà, c'est à partir de là que ça a commencé, j'ai l'impression. L'attaque générale sur tout le monde. Après, c'est clair que oui, séisme est une attaque qui ne fait pas de distinction. Ne souille. Ok, il a défoncé le dragon. J'adore, c'est trop bien. Non, puis en soi, ça pourrait être intéressant que je farme un peu histoire de commencer à maîtriser quelques trucs là, parce que bon, on n'arrive pas loin de l'évitation. HP, bah oui, là il n'aura rien. Ah, je pompe dans les menus. Lui, bon bah lui, pour l'instant, il est obligé de rester là-dessus puisque les autres n'ont pas fini. Eh, la foudre plus arrive bientôt. Et le soin plus est clairement pas prêt d'arriver. Il est clairement pas prêt. Le récup, ça se fait. Mais le reste... Bah écoutez, je pense que... On va se faire quelques combats et puis on s'arrêtera là pour ce soir. Je vous laisse. Bah, ça marche. Merci à toi d'être venu, Shira. La bonne fin de soirée, et puis au plaisir. Ouais, voilà ce que je voulais dire. Par rapport au fait que... Je prends Sheros. Je prends très très cher. Après, le problème aussi que j'ai, c'est que j'arrive pas à me faire de la thune. Pour stuffer tout le monde, en fait. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est un vrai problème. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Et d'ici la prochaine fois, je farmerai un peu, histoire de me faire à la fois de l'argent et de l'XP. Le problème, ça va être pour les autres qui sont pas là, qui eux, bah du coup, vont pas pexer. Et ça, c'est chiant.
Ça veut dire que du coup, quand on va rechanger d'équipe, il faudra que je repexe avec la... Ah, ça va être trop long. Vous voyez pourquoi j'aime pas ce genre de Final Fantasy? C'est Final Fantasy avec des séparations de groupes où l'XP n'est pas transféré, c'est pas le bon, mais voilà. C'est-à-dire que là, si je ne joue pas avec Terra, Sabine, Go, Ipex, enfin... Dans d'autres Final Fantasy, bah, par exemple, c'est... Je sais plus dans lequel. Enfin bref, dans d'autres Final Fantasy, même les personnages qui ne sont pas dans le groupe gagnent de l'XP. Moins que si c'est eux qui combattaient, mais voilà, ils gagnent de l'XP. Bon. Et bah du coup, ça va falloir que, je farme un peu. Et du coup, au niveau des chapitres, où est-ce que nous en sommes? Nous en sommes au chapitre 12. Le chapitre 12, c'est rentrer dans la cité avec le point rouge, là, au milieu de la carte. Donc, en soi, on est pas mal. On est pas mal. On est toujours dans la première partie, globalement, du jeu. Mais, on était quoi? Chapitre 9, je crois? Au tout début du chapitre 9, pour, ouais, à la recherche de Terra, donc c'est ça. Et, et bien, on commencera le chapitre 12 la prochaine fois. Ça fait du boulot. Et bien en attendant, j'espère en tout cas que ce live d'aujourd'hui vous a plu, j'espère que vous avez passé une bonne soirée en ma compagnie. Et nous, eh bien on se retrouve dès demain pour de nouvelles aventures, mais d'ici là, portez-vous bien, et que la funk saute avec vous les amis. Ciao ciao.